Bonjour les amis, c'est vendredi. On se retrouve donc pour le jeu gratuit du vendredi, parce que le vendredi c'est la VR gratuit avec Steely Smee. Aujourd'hui, je vous propose le jeu Shotwood, qui est noté 4,9 sur 5. C'est un jeu de tir qui est en fait un simulateur, un truc d'entraînement. Je sais pas si vous connaissez un peu ce principe, c'est vous allez dans différentes salles, vous avez des armes et vous avez des cibles qui apparaissent. C'est vraiment la méthode d'entraînement qu'on utilise à l'armée, dans les sections spéciales, le SWAT, la police, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai trouvé la démo gratuite depuis que le jeu est sorti. Alors c'est un jeu qui est assez ancien, mais qui est régulièrement mis à jour. Et donc là, on va aller tester la démo gratuite. Je vous montre ça tout de suite. Alors comme il fait très chaud, je me suis mis à l'intérieur du jeu. À l'extérieur sur la terrasse. Donc, je vous explique le principe de Shotwood. Shotwood, vous allez vous balader dans des bâtiments, dans des hangars, mode entraînement, police, squad, SWAT, etc. Squat. Vous avez des petits zombies comme ça qui vont apparaître sur des cibles en bois, vous avez des méchants qui vont apparaître comme ça avec des armes qui vont vous tirer dessus, et puis vous avez des otages qui sont là. Le but du jeu, c'est de progresser, tuer les méchants et d'éviter de tuer les civils. Donc on y va. Piste. Au niveau des armes, dans la version démo gratuite que je vous présente, vous avez un pistolet et un fusil à pompe, ce qui est pas mal. Le fusil à pompe, faut charger les cartouches. Le pistolet, faut gérer le chargeur. Donc voilà. Donc on va simplement aller ici, on va sélectionner dans cette pièce-là les différents parcours. Donc vous voyez que là on a accès à A2, B2, et si vous achetez le jeu, vous aurez donc évidemment plusieurs cartes. Vous voyez à quoi ressemble le local dans lequel vous allez être présent. Il y a 100 dollars à récupérer. Les dollars vous permettent d'acheter des armes, surtout des munitions en jeu. Et puis, vous pouvez aussi prendre votre carte qui a beaucoup de plus de salles. On va se tester celui-là. Ça vous indique également combien il y a de billets qui sont cachés dans les différentes pièces, ce qui vous permet de vous enrichir en plus des 100 dollars de bonus si vous finissez la scène. Donc là, la dernière fois que j'ai testé le jeu, j'en ai fait 7 sur 9, donc j'en ai raté 2. Pour y aller, en fait, on va dans le petit ascenseur qui est ici, on appuie sur A2. Vous entendez les cigales peut-être? Je vous ferai la petite vue à la fin. Donc le jeu se charge assez vite. En extérieur, wifi en intérieur. On arrive ici. Donc là, vous voyez les deux armes qui sont à votre disposition. Donc pour éjecter, c'est le bouton A. Vous prenez à droite, vous rechargez. Vous trouvez des munitions, vous les jetez sur vous et ça les charge. Vous pouvez poser votre pistolet ici et le fusil à pompe. Vous le tenez à deux mains, vous prenez les cartouches et vous les enquillez ici. Pas oublier de charger là. Et si vous avez des cartouches qui sont, je suis pas réglé par rapport au sol. Et vous pouvez poser votre gun comme ça. Voilà. Donc moi je vais plutôt y aller au pistolet à l'ancienne. Voilà. Donc là, challenge. On est passé en challenge. Okay. Et là, il y en a un. Oui, comme ça, il y en a un. Ok. Munition, chargement. C'est assez simple en théorie, mais il faut quand même bien gérer les munes. Ah, j'ai pas chargé. Alors, donc vous avez quand même intérêt de passer ici si vous avez un peu de cash. Donc ça c'est mon nouveau cash. Je vais activer le nouveau cash et prendre un max de mine. Vraiment prenez le maximum au départ. Et pour le fun, petite grenade qu'on peut accrocher là. Ça c'est pour aussi s'il y a du monde. C'est pas mal.
On a tous nos pistoles, c'est trop drôle. Allez, c'est parti. Alors faites gaffe si je ressors parfois. On croit que... Après, ça peut être drôle de faire ça. Hein. Hop, esquive. Alors, c'est à partir de là où il faut commencer à faire gaffe. Alors, il faut aussi regarder, parce que j'ai pas regardé, mais il peut y avoir des billets. Donc là, on va un peu inspecter la pièce qu'on a nettoyée. Vous pouvez avoir des billets qui se baladent. J'ai flippé, j'ai entendu une tourterelle en vrai. Là, il n'y a pas de billets. Un peu déçu. Comme je suis revenu là, je vais en profiter pour reprendre la main. Donc le jeu a l'air assez simple. Moi j'aime bien parce qu'il se progresse, ça progresse au fur et à mesure. Vous avez quand même votre petit faisceau laser. Voilà, là ça commence à être un peu plus fun. Et puis vous tirez dessus. Mode. Gaffe quand même derrière. Merde. Le tir est assez précis. Hein. Oh là. Bon, on est quand même assez invulnérable, hein. Il n'aura pas à la première balle. Jolie celle-là, non ? Donc vous allez en avoir shooté suffisamment. Là. Ça c'est un peu festival. Vous voyez, de temps en temps ça accélère. Voilà. Wow. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit côté entraînement, c'est que ça vous oblige à être très très vigilant sur la manière de tirer et de gérer le truc. Alors, là, ça te donne la quantité de munitions qui reste, mais vous savez pas combien vous en avez dans le chargeur. Donc ça aussi, c'est en vrai, vous savez jamais trop combien vous avez de balles. Heureusement. Je m'étonne si je n'ai pas de billets. Parce que je l'ai déjà fait. En fait, de temps en temps, vous trouvez des billets comme ça. Donc il me manque que les deux billets que j'ai pas ramassés. Alors là, on va faire. Partout.
On va t'acheter l'œil. Oh merde. Je l'ai chopé la meuf. Ouais mais bon. Ta jupe aussi était pas du tout assortie. Un petit peu comme ça. Alors vous voyez, il y a... vous voyez s'il en reste. Qui me tire dessus là? Par où il me tire? Reste tranquille, t'as acheté à l'œil. Les cibles tournent. J'ai un peu merdé. C'est mon sol hein, qui est pas au niveau. C'est pas le. Ah bah écoutez, là, on est plutôt pas mal. On peut recharger un peu. Bon. Ça. Ouais. Là, je vous conseille quand même de charger. Ah, je vais quand même vous montrer le fusil à pompe. Je l'ai pris. Ouais. Je vais quand même y aller au fusil à pompe là maintenant. Alors, fusil à pompe, il les défonce très très bien. C'est propre. Par contre, pour recharger, faire comme ça. Voilà. Je vais le faire. Hop. Donc, mon arme. Oui. Calmer ou pas? Ah non. Vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'il ne recharge pas super. Partout. Et c'est ce qui fait que le jeu est fun en fait, que ça veut jamais dire ça vient. Je vais charger ça, prendre le gun, je vais pas essayer ça. C'est une salle secrète. Charger le fusil à pompe. J'ai un peu
là. Allez, on est bon. Bon, j'ai pas vu de... J'ai pas vu de pétrole, j'ai pas vu de dollars. Donc j'ai pas trouvé plus de dollars que la première fois. Ah non, mais il y a encore du monde là. Ça serait des trucs fun, qu'il y ait des petits trucs comme ça. Je crois qu'on est où. Entre les deux yeux, elle est belle. Et voilà, total du score. Donc là, ça vous dit que j'ai fait 13 minutes 54. Un ratio de tir 73%, 17% dans la tête, 11% sur le bras, 40% au cœur, 25% à l'abdomen, 5% à la jambe. J'ai récupéré 100 dollars. J'ai fait 527 tirs. J'ai touché 13 fois des amis. J'ai cassé 37 sur 92 cibles. J'ai tué quand même deux collègues, enfin deux otages. Et puis 611 tirs, une explosion, on peut aller jusqu'à 12 explosions. Donc c'est pas mal. Donc voilà les amis, on a testé la démo de cet excellent petit jeu. On va rester sur un petit jeu, mais enfin en version gratuite pour un vendredi. Vous allez pouvoir vous amuser, vous voyez, des petites parties de 10-15 minutes. C'est assez précis, ça fait bouger un petit peu tranquille. C'est graphiquement plutôt correct. Donc profitez bien des vacances et du soleil. La vie est belle. Tchuss les amis, à plus tard, en réel ou en vrai.